Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, signe un décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, en abrégé ONIES, le 17 août 2022. Placé sous la tutelle du ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'ONIES est un organisme public doté d'une autonomie financière qui a pour mission d'assurer par son expertise l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que des installations connexes spécifiques réalisées ou aménagées par l'État. Le décret du chef de l'État lui confère également la charge d'élaborer un plan de gestion intégré des infrastructures et équipements sportifs, d'assurer la veille technologique et le transfert des technologies. Une décision salutaire. C'est une très bonne chose. Vu les investissements lourds que l'État vient de fournir pour la construction des infrastructures sportives au Cameroun, vu notre notion de maintenance dans notre pays, il est nécessaire que ces infrastructures soient non seulement bien entretenues, mais aussi valorisées. Je pense que le décret portant création de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs est une bonne chose, dans la mesure où le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun, a mis assez de moyens dans la création, dans la construction de ces différents stades et palais. Ces infrastructures nécessitent une véritable gestion et une véritable maintenance et surtout une exploitation pour une certaine rentabilité. À travers l'ONIES, les travaux de réhabilitation, de rénovation des infrastructures et équipements sportifs sont au beau fixe. Un organisme public gage du développement des infrastructures sportives.